Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous faire un haul action et je vais vous montrer ma petite commande que j'ai eue de Wish que j'avais pris qui sont sur des pierres précieuses et mes pendus. Voilà. Du coup, alors, on va commencer directement du coup par Wish. Alors, je m'étais pris un collier avec la pierre. Celui-là, c'est le lapis lazuli. Donc c'est une pierre bleue comme ça. Donc c'est celle-là. Après au niveau de ce que ça fait, j'étais restée dans tout ce qui est calme, sérénité, choses comme ça en fait pour m'aider. En vue que je suis en train de passer le code, etc. C'est pour m'aider. Donc voilà, moi je fais un trop de la lithothérapie. Donc voilà. C'est pour ça que beaucoup dans mes publications Cat Beauty, je vous montre les bracelets. Avec un truc de lithothérapie avec des pierres. Parce que je suis beaucoup là-dessus. Ensuite, je me suis pris les pendules. Hop. Donc celui-là. Donc celui-là, c'est au sable bleu. Donc celui-là, il est grave beau. Il a des petites paillettes. Je pense pas que vous allez voir. Mais il a des petites paillettes. Il est super beau. J'aime. Donc celui-là, donc c'est un... ça a l'air d'être un vrai. Parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Après savoir, mais c'est vraiment des pierres. Donc, c'est ça qui est vachement bien. Je me suis pris une aventurine verte aussi. En tout petit, il est tout mignon celui-là. J'aime trop. Celui-là, il est grave beau aussi. J'aime beaucoup. Donc, pareil. Avec la petite aventurine verte au-dessus aussi. Pareil comme celui-là. Et je me suis pris deux petites pierres en forme de cœur. Donc, ça, c'est de l'obsidian. Donc, elle est toute. Bleue, là vous la voyez noire mais elle est toute bleue. Hop. Enfin elle est noire bleutée en fait. Ouais. Ça, et je me suis pris du quartz rose en cœur. Sont en cœur, ils sont trop mignons. Donc voilà, ceux-là. Ils sont tout mignons, tout mignons. Ils sont super beaux. Alors du coup, moi, bon pour l'instant, ils m'ont donné des petites pochettes comme ça pour les mettre dedans. Hop. Mais je les range par catégorie où en gros je vais mettre les pendules ensemble et mon collier de toute façon il sera sur moi, je l'ai porté tout à l'heure pour aller à Action. Donc voilà, mais voilà, les pendules vont rester ensemble. De toute façon il faut que je les recharge. Et j'ai vu sur les forums qu'au niveau pour les recharger en fait il faut les mettre soit au soleil. Tu les mets soit au soleil ou au clair de lune, un truc comme ça. Et ou sinon tu peux les mettre dans un petit récipient où tu mets de l'eau avec du gros sel. Donc voilà, c'est plus pratique pour ceux qui ne peuvent pas faire tous ces petits trucs là, bah voilà, pour les recharger plus facilement. Donc ça a varié entre 1 à 2 euros maxi, donc le tout ça m'a valu pour 12,70 € le tout. Donc voilà, c'est vachement bien quand même. Ensuite, donc du coup, pour les placer, je me suis pris des petites pochettes comme ça je les mettrai chacun tout seul. Parce que les pierres, quand elles sont ensemble, au niveau des énergies, ça ne va pas dégager la même chose si elles sont ensemble. Surtout si elles ne sont pas sur une même énergie, ça ne va pas être très très bon. Donc ça, je me suis pris dans des petits paquets, en gros c'est des petits trucs comme ça, hein, des petits pochons comme ça là. Et ça, il y en avait en rose, en gris, en blanc. Et voilà. C'est 0,94 donc un seul et ils sont bien parce qu'en plus c'est des petites roses donc du coup c'est sympa, je le vois de bien parce que c'est une maman. C'est des petites pochettes en fait où il y a des roses dessus genre. Mais c'est grave bien parce que du coup tu peux les mettre dedans et tu peux resserrer. Et du coup bah, voilà, ça te fait un petit pochon où tu peux emmener ta pierre avec toi ou autre chose, hein, n'importe. Et genre ça va, je trouve bien. Donc du coup on a été au Action à faire tes gaucher sa main. À faire tes gaucher. Vu qu'il est plus près, hein, vu qu'il est tout neuf. Et il est beau. Quand on rentre dedans, ça fait tout beau et tout neuf quoi en fait. Genre c'est grave grave bien. Ça fait moins bordélique que pour certains qu'il y a, genre Romilly, il est un peu au bordel, je trouve. Ensuite on a pris des petites pochettes comme ça. Donc c'est des pochettes comme pour les pochettes à maquillage, etc. Mais là ils disent comme quoi que c'est des étuis à crayon. Moi, ça servira en tant que pochette à maquillage. Pour mettre mes pinceaux. Donc voilà, donc c'est des pailletés. Il y avait en noir, il y avait en blanc, comme ça. Il y avait en gris, rose,
Rose. Rose dorée. Rose et dorée, je crois qu'il y avait. Ça, c'est 1,39€ la petite fourchette. Donc, celle-là, ça sera pour le concours des 7000 à mes parents. Et moi, ça, c'est pour moi. Hein? Non. Maman s'est pris des petits trucs comme ça. C'est d'arbres de je ne sais pas quoi. Je ne sais plus. C'est d'un arbre. L'acacia, non? C'est des disques d'acacia. Donc, ça, c'est pour ses effets automnales, etc. Pour mettre ses bougies, etc. Pour faire une présentation dans les photos, etc. Donc, ça, c'est 0,99€. Et vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 dedans. Voilà, c'est vachement bien. C'est bien pour faire des décorations d'Halloween, je veux dire. Automnales. Donc, je veux dire, là, il n'y a pas de trucs automnales. Mais... On a pris une calculatrice pour Alexis. Parce que l'école la demande et moi je peux pas lui donner ma mienne parce que à la base c'était celle de maman et c'est une scientifique. Et pour son âge ça sert pas à grand chose. 1,16€, il y en avait de différentes couleurs. Il y avait rouge, il y avait vert, il y avait jaune, il y avait bleu. C'est tout. C'est tout. C'était vachement bien. Parce que du coup au moins ça t'évite de payer une calculatrice à 20 balles. Hein. On a pris. Des palets comme ça pour mettre dans le bain 1,79€. Donc en fait c'est un gros truc hein. Il est lourd hein. Il est épais hein. Du coup ça aussi c'est pareil pour le concours hein, c'est pour le concours ça aussi, ouais c'est pour le concours aussi ça. Donc ça vous l'aurez dans le concours des 7000. Au niveau des odeurs après on sait pas trop hein. Je ne saurais pas vous dire hein. Une galette de bain effervescent. Voilà. Non, ils disent pas qu'est-ce qu'il y a au niveau des senteurs. Ça va, c'est pas mauvais. Il n'y a pas de truc mauvais. On a pris ça pour les petits chats. C'est des petits bonbons, ça. Ouais, c'est des bonbons. Les Temptations. Ah, il y a 2 calories dedans. Oh non. C'est au quoi? C'est au bœuf et à la dinde. Donc, c'est des petits trucs hein, comme ça. Hein. C'est des petites gourmandises pour les chats. Donc, des bonbons, moi j'appelle ça. 1,69€ le petit paquet. Et ça, c'était une nouveauté parce que dans les autres, il n'y avait pas. Il me semble pas. Je crois pas. Pour les toutous, on a repris. Ah, il y a des verres, maman, dedans. Il y a des verres dedans. Ouais, il y a des verres. Ouais. Pour les dents. Ouais, pour les chicots. Donc, ça, c'est de Monsieur Goodlad. Ça, c'est vachement bien. Par contre, les gros paquets comme ça, j'avais déjà dit dans mes autres hauls. Mais c'est grave bien, ça. C'est 3,99€ le gros paquet comme ça. Et ça varie pour chaque chien. Parce qu'il y en a des gros dedans pour ceux qui ont des grosses mâchoires. Il y en a des petits pour ceux qui ont des dents qui sont un peu fragiles. Il y en a pour les moyens chiens. Ça, c'est vachement bien. Et les chiens les apprécient énormément parce qu'à chaque café, ils nous le demandent. Partons toujours sur les animaux. On a pris un petit poisson. Petit poisson. Il y en avait plein d'autres. Hein. Celui-là, je ne sais pas c'est quoi. Ben, c'est un poisson, quoi. Et dedans, il y a de l'herbe à chat. Ça, c'est 0,82 centimes. Et il y a de l'herbe à chat. En fait, on le sent. Là, il y a un petit paquet de trucs. Ah, si, ça sent. En fait, moi, l'odeur que je sens, ça sent l'eucalyptus ou genre la menthe. Ouais. J'aime bien l'odeur. Mais voilà, après, je pense pas qu'à la base on puisse sentir l'herbage. Mais genre, c'est trop mignon. Il y en avait plein, il y en avait des jaunes, il y en avait des rouges, mais pas tous de la même façon en fait. Il y en avait, ils étaient tout gros et tout, il y en avait, ils étaient tout encore tout fins. Et tout, genre des sardines, des délires comme ça. Genre, je trouvais ça trop mignon. Genre, c'est trop bien. Ça, on a pris des biscuits pour chien. Alors j'ai vu que c'était à la dinde ça tout à l'heure, je crois. Il me semble. Je suis pas folle. Pour chien, nanana. Ah, il y a des céréales dedans. Ça, c'est 0,39, hein, je sens. Ah, c'est à l'agneau, pardon. Ouais, c'est à l'agneau. Donc voilà. C'est vachement bien. Petit gâteau comme ça, là. C'est bien. Ça aussi, c'était une nouveauté parce qu'avant, on les avait pas vus, ça. Où ça j'ai pris. Ah ouais, ils ont mis tout ce qui est truc pour Halloween, Noël, ils ont déjà commencé. Je comprends pas. Donc, on a pris des corbeaux à attacher sur les murs, etc. Je pense qu'on met un petit bout de scotch derrière et puis pouf! T'as une décoration d'Halloween.
En vue que c'est moi qui fais toujours les décorations d'Halloween et eux ils font Noël. Si, ça fait au moins 3-4 ans que je le fais alors. Hein. Oui, bah oui, mais maintenant je le fais. C'est moi qui le fais. Hein. Donc ça c'est 0,75, il y en avait plein d'autres. Hein. Ils ont fait pas qu'avec des corbeaux, ils ont qu'il y avait des araignées. Enfin, moi j'avais vu des araignées accrochées au plafond. Ils ont mis des têtes de mort, etc. Tout un truc. Oh ouais, par contre, j'ai flashé sur un truc trop bien. Ils faisaient en fait les cruches, vous voyez les cruches, mais en plastique du coup, plastique dur. Et en fait, c'était en forme de tête de mort et tout, c'était trop beau, c'était trop belle. Et ils la faisaient en noir, violet et orange. Et j'aimais trop en fait. Ils font aussi des petits shots en forme de tête de mort. Ça j'en ai des oranges moi, et ils en faisaient en noir, violet et ben, du coup, orange. Et ça, je trouvais ça très sympa. C'est mignon pour les petites soirées au coquet où vous faites une soirée totalement Halloween et vous êtes dans le décor d'Halloween, je trouve ça pas mal. Maman s'est pris un organisateur, entre autres pour aller waterdrop, parce qu'on prend beaucoup de waterdrop. On est des adeptes de ça. Oh ouais, waterdrop, spécial. Et vous allez halluciner de tout ce qu'on a déjà. On a pris donc du coup un truc comme ça, c'est que du bambou. Donc c'est naturel. 4,99€ le petit truc comme ça. Alors soit il était en blanc, ou soit il était totalement en bambou. Je trouve ça pas mal. Il fait 20 par 13 par 17. Donc 20 par 13 par 17. Donc voilà, voilà. Ouais, totalement bambou. C'est marqué dessus, bambou, bambou, bambou. Voilà, et je trouve ça pas mal quand même. Hop. Maman, elle a pris des savons pour les mains. Donc ça, à l'aloe vera, donc je rappelle, aloe vera, c'est cicatrisant, donc c'est bon pour les mains et c'est hydratant. Eux, ils mettent un truc qu'il faut pas, mais c'est les savons hygiéniques donc pour les mains, donc c'est très très bien, ça nettoie très bien de toute façon. Elle a repris un autre savon pour les mains, donc pour les peaux fragiles. donc le petit marseillais, c'est toujours bien de son petit marseillais, moi je m'en servais pour mes shampoings, etc. Et il y a un produit que je ne retrouve plus, le soin pour les cheveux au petit marseillais là. Je ne trouve plus. Faut que je regarde sur internet si je peux pas le trouver. Et donc du coup, c'est à quoi? À l'aloe vera fleur de pommier. C'est bien ça, c'est bien ça. Ah, c'est un gel lavant. Ça, et elle a pris du gel hydroalcoolique comme ça. Donc ah, j'ai pas dit les prix des autres. Ça, c'est 0,99€. Ça, c'est 1,95€. Et ce truc là c'est 2,99€, donc ça, donc du coup du gel hydroalcoolique pour quand elle va faire ses party light, ça sera plutôt pratique, comme ça il y aura le minimum d'hygiène. Je crois que c'est pas mal entre le masque et puis le gel hydro, ça ira. Je me suis pris les petits Paul Duke parce que moi j'aime beaucoup faire les paquets cadeaux où il y a du Paul Duke autour. J'en ai beaucoup. Beaucoup peuvent le voir, que ce soit Nadia, Piout et tout le tralala, elles ont toutes eu du Bolduc sur leurs cadeaux ou leurs swaps. Donc voilà, moi je suis adepte du Bolduc. Donc ça c'est 0,65 pardon, et il y en avait en comme ça, il y en avait en comme ça, ou il y en avait aussi avec ceux en violet, ou il y en avait avec du bleu, ou des trucs comme ça, je trouvais ça pas mal. Les bonbons. Maman elle a repris les petites chauves-souris comme ça. Ou en fait pour maman elle dit comme quoi que c'est au coca au centre. Non, c'est la réduction. Et mais ouais, elle me disait l'autre fois, ah mais c'est du coca qui est dedans. Mais je sais pas. Elle me disait, ah ouais, c'est du coca. Mais je lui dis, mais non, c'est de la réglisse au centre. En fait, le petit bout noir là, c'est de la réglisse quoi. Mais comment tu veux que je lise, c'est en allemand. Ich bin Strusch. Français, please. Ah, réglisse. Tu vois? Je l'avais dit. Non, c'est réglisse. Confiserie gélifiée avec réglisse. Tu vois, je te l'avais dit. Au centre, en fait, le truc noir, il est au réglisse. Et autour, genre, ça peut être à la pomme, à la framboise ou je sais pas quoi, les rouges et jaunes, citron ou un délire comme ça, je pense. Mais du coup, ça, c'est vachement bon. Mais ça, c'est 0,89. Voilà. Ça, c'est vachement bon. On a pris, maman a pris aussi des Dracula comme ça, donc c'est des petites dents hein, de chez Trolli. Les bonbons Trolli, ils sont vachement bien, je trouve, quand même. Et ça, c'est... J'ai pas mis plus. Pourquoi j'ai pas mis plus? Ça doit être un... Ah, c'est 1,07€. Ouais. Mais ça, c'est vachement bon aussi, pareil. Ouais. Et moi, je me suis pris
des bublis. Et bublis. Ça sent à travers le paquet. J'aime trop l'odeur en fait. Ça sent le marshmallow. Enfin, pas le chewing gum. Et du coup, j'aime trop les bublis. Et ça, c'est 1,43€. Et ça, c'est grave, grave bon. C'est ce qui pique en plus. Alors, tatata, qu'est-ce que j'ai pour faire? Ah oui, ça. La petite guirlande avec des petits diamants. Ils sont trop beaux en vrai. Ils sont trop beaux. Et maman, tout à l'heure, elle m'a montré, elle m'a allumé. Je fais, oh, très joli. Ça, c'était 2,69€. Et elle fait 120 cm la guirlande. C'est par LED, hein, donc je pense que c'est à mettre des piles. Il y a des piles à mettre. Désolée, j'ai mon nez qui me gratte, ça m'énerve. Ouais, c'est avec des piles. Ouais, il y a des piles. Ils ont mis que c'était avec des piles. Donc voilà, ça c'est vachement bien. C'est pareil, c'est grave bien. Qu'est-ce que je n'ai pas montré? Ah oui, c'est pas. Et hop, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, il y a un truc dedans là qui se balade, je sais pas c'est quoi. Mais en fait, elle a pris un truc comme ça, en fait, où il y a des paillettes dessus. Là, on va pas voir parce qu'on voit. Il y a... Ah si, ouais. Mais c'est un reflet, en fait. Il y a des paillettes, mais je pense pas que vous allez voir. Je suis en train de galérer. Mais il y a des paillettes. Ah si, ça y est, là. Vous voyez, il y a des paillettes. C'est grave beau. C'est grave joli, mais par contre, ce que je disais à maman, c'est que je sais pas si on peut mettre de la couleur par-dessus. Parce que, ok, tu vas mettre les trucs de... Les stylos feutre à alcool. Parce que moi, je fais tous ces trucs-là en toile à feutre à alcool. Parce que ça marche très très bien. Et là, en sachant qu'il y a des paillettes dessus, je ne sais pas si ça va fonctionner. Ah, mais ils ont fait des encoches où on peut colorer. Ouais, mais bon, c'est un peu con quand même. C'est un peu différent. Mais c'est pas grave. Maman, elle aime bien. Je vois pas trop pourquoi. Bon, il y a les paillettes, en fait. Pour moi, ça va gêner, en fait, les paillettes. Ils disent comme quoi qu'on peut colorier dessus. Mais pour moi, je me dis que non, parce que ça va faire en fait bizarre avec le gel hydroalcool. Les stylos à alcool. Après, c'est à tester, je veux dire. C'est à tester. Ça, c'est 1,64€ et il y en avait en différents modèles. Je vous montre de plus près. Donc, il y avait tout cela. Donc, maman, elle a pris celui-là et elle a pris celui-là, le renard. Mais il a pas une tête comme ça. Ah, si, il a une tête comme ça. Si, ouais. Mais il est grave mignon en vrai, là, comme ça, parce que sur la photo, on dirait qu'il louche, mais en vrai, il douche pas. Ah oui, le dernier truc. Je remets ma bretelle. Le dernier truc, Ascension. On n'est pas encore en décembre, mais on a pris le calendrier de chez Action. On l'a trouvé à Vertigo. C'est grave bien. Donc, il est grave grand. 1,79€. Si je me trompe pas, 11,95€, pardon. Et voilà, on l'a pris le gros. Et du coup, il y a tout ça dedans. Il y a tous ces produits-là dedans. Donc, c'est que des nouveaux produits. Donc, dedans, vous avez une lotion pour le corps, vous avez une bombe de bain, vous avez une crème pour les mains, vous avez un bonnet pour la douche. Ouais. Il y a des savons, il y a des pousses cuticules, il y a un gommage visage, il y a un gel douche, une imangue, un gommage corps, une rose de bain, donc c'est les petits bonbons, là, les petits trucs là pour les bains. Là. Un gommage pour les pieds, pardon. Un baume à lèvres, un masque pour les cheveux, un nettoyant visage, c'est bien. Un miroir pliable. Il y a une brume corporelle, un shampoing, un galet de bain effervescent, un après-shampoing, un chouchou, une fleur de douche, un beurre corporel, une crème de jour. Et c'est tout. C'est tout entre 50 minutes, 10 grammes et 30 grammes. 30 minutes. Ouais. C'est que ça reste entre 30 et 10 en fait. Mais voilà, il est beau, il est beau. Après, voilà, les produits, nous, on s'en sert pas tous. Mais la plupart vont servir parce que bon, voilà. Il y a quand même vachement beaucoup de choses dedans. Après les bombes de main et tout le tralala, nous on s'en sert pas parce qu'on n'a pas de bain. Mais voilà quoi. Il est grave et beau. Ouais. Donc voilà. Et il y avait encore celui de l'année dernière, le tout rouge, que nous on avait, où j'avais fait des petites vidéos sur mon snap, en story, où j'avais fait chaque jour, je montrais qu'est-ce qu'il y avait dedans et tout. Il me semblait que moi c'était le maquillage que j'avais et maman elle avait celui pour le soin. Il me semble, je ne suis pas sûre. Mais je crois.
Bah voilà, j'ai fini. Ouais. Je vous laisse comme ça. Je vous laisse sur ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous en avez envie, à vous abonner. Pareil, je vous remercie. On en est à 695, je crois, si j'ai bien regardé. Merci à toutes les personnes qui arrivent à me suivre, à me supporter. Je vous aime beaucoup. Vous êtes des amours vraiment à me suivre. Voilà, n'hésitez pas, pareil, si au niveau des produits Cap Beauty, au niveau du produit du mois de chez Cap Beauty, nous sommes sur un nettoyant visage à l'aloe vera. Donc je rappelle, aloe vera cicatrisant et hydratant. Donc n'hésitez pas à venir me voir, je ne vous mangerai pas, je serai là pour vous aider, pour vous conseiller, que ce soit au niveau des savons, que ce soit au niveau des nouveautés, que ce soit au niveau des box. Nous faisons des nouvelles box pour les clients qui peuvent même arriver maintenant, qui peuvent avoir une box pour un prix qui est vraiment minime, pour la toute petite qui est à 29 euros, donc qui est vraiment pas cher. Donc 29 euros la petite box où vous recevez tous les mois ou toutes les semaines, tous les mois, que je sois bien claire. Ouais, c'est ça. Tous les mois où vous recevez en fait différents produits. À chaque fois, c'est pas les mêmes produits. Chaque mois, vous n'aurez pas le même produit en fait. Et pour 29 euros, vous avez presque. À chaque... Ouais, vous avez tous les mois en fait un produit différent de la marque Cap Beauty du coup. C'est vachement bien pour pouvoir tester, etc. Je trouve ça vachement bien. Et c'est vraiment. Il n'y a pas besoin d'abonnement, il n'y a pas besoin de choses comme ça. Ou en fait, nous, on fait d'autres box en dehors. Ou ce sont des box qui sont avec des abonnements de plus de 6 mois, il me semble, un truc comme ça. Ouais, c'est 6 mois, je crois, d'abonnement. Et voilà, mais ça reste toujours dans ces eaux-là. Et la plus grande box, donc en non-abonnement, c'est 49 euros. Où là, vous aurez plus de produits chaque mois. Donc, bah voilà, je vous dis à plus tard pour une vidéo, une nouvelle vidéo. Pareil pour les cloches, c'est moi, c'est pas mon compte qui fait ça. Ça doit être votre compte qui doit être toujours en mode enfant. Donc voilà, après si vous voulez, on peut régler ça ensemble, hein. On peut voir ensemble ça pour que je vous aide à montrer où est-ce qu'on peut retirer ce genre de truc-là. Voilà. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. J'ai le vlog qui devait être mis, sauf que malheureusement, Filmora Pro ne va pas sur YouTube. J'ai envie de câbler parce que du coup, je me suis embêtée pendant plus de 2 semaines, voire 3 semaines, voire 4 semaines, à faire un montage de dingue et j'ai pas réussi à le mettre sur YouTube. Du coup, j'ai un peu le seum concrètement. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave. De toute façon, je vais le refaire sur Filmora 9, donc le normal. Je l'ai re-téléchargé, donc je vais le faire très rapidement de toute façon. Je pense que ça va aller très rapidement. Ça va être plus facile parce que je le connais un petit peu plus. Et bah voilà, vous aurez dans le vlog qui va arriver donc d'ici là, maxi un mois quoi. Ok. Ouais. Bon bah voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Voilà, bisous.